prospérité de notre cité est toujours venue de la mer, chacun le sait. Et la reconquête du port est l'un des enjeux majeurs du développement économique et touristique de la ville. En particulier, cette zone stratégique de développement dite des bassins Est. De même, la transformation du J4 et l'ouverture des terrasses du port sont indéniablement des réussites partagées qui font de Marseille une destination attractive. Nous pouvons le vérifier encore aujourd'hui. Les investisseurs sont présents au rendez-vous que nous leur donnons et que vous leur donnez. L'amélioration des outils portuaires et les évolutions d'intégration urbaine doivent se construire de façon simultanée. C'est pourquoi, monsieur le préfet, dans la perspective du maintien de notre développement commun, nous avons engagé des discussions avec le port sur le devenir du hangar J1 et son acquisition par la ville. Et nous maintenons cette volonté et nous pouvons même amicalement inciter monsieur le président du port à agir avec un peu plus de diplomatie lorsqu'il nous répond. Cette ambition de mixité urbaine s'inscrit pleinement dans la politique que nous poursuivons pour créer des ensembles d'équipements culturels, ludiques et commerciaux, bénéficier aux Marseillais, mais également à des millions de touristes et de croisiéristes que nous accueillons maintenant chaque année.